Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Mêlée. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer tarte aux épinards. Nos ingrédients, c'est des épinards, 3 œufs, des oignons, fromage râpé, crème fraîche, fromage de chèvre, pâte feuilletée et les épices. J'ai pris du sel, gingembre, poivre noir et de l'ail. On peut prendre pâte brisée, mais moi je préfère toujours, je travaille avec la pâte feuilletée, mais on peut utiliser pâte brisée. مرحبا بكم في كوجينة مالية. اليوم مش نحضر طارة بالسلق. روسيت سهلة برشا وما تطلبش برشا وقت. انا خذيت السلق حاضر كيما تراو. تنجموا تشروه فريشك، تنجموا تحضروه انتم وحدكم يكون احسن. 3 كعبات عظم، راسين بصل، فرماج متاع الشيفغ، جن اصفر متاع عظمة، نص كاس زيت، كريم فريش، لفاح، فلفل اكحل، سكين جبير، ملح وثوم، والفرماج رابي. Voilà mes amis, on va commencer. J'ai oublié tout à l'heure dans les ingrédients d'huile d'olive. 3 cuillères à peu près d'huile d'olive. On va commencer. Je prends mes oignons et je le fais revenir avec l'huile d'olive à peu près 5 minutes. Et après, j'ajoute mes épinards. Je mets le bsal nta'i مع شويه زيت زيتونه ونصعدوا شويه في الزيت ومن بعد نزيدوا السلق نتاعي. J'ajoute maintenant mes épices, j'ai de faire un taille. Et je fais revenir mes épinards jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'eau dans les épinards. نقلي لي زيبينار نتاعي حتى ما عادش فيه ماء بالكل. الوقت هذاك نحيه من فوق النار ونخلطه بالعظم والكريم فريش والفرماج رابي. ولا مي زيبينار حضر صاي كيما تشوفوا. ولا كوم فو فوايي سي بيان. نحط العظم نتاعي، جاجوت مي زو، فرماج رابي اي لا كريم فريش. Et je mélange tout. خلط المكونات هذه كلها مع بعضها. ديما مع الصغيرات معنا مشكلة ما ياكلوناش الخضرة. الطريقة هذه صار 100% ياكلونا السلق. Toujours avec les enfants, on trouve beaucoup de mal pour manger les épinards. Voilà, cette méthode se régale. Je prépare mon plateau. Je mets un peu de beurre ou d'huile d'olive ou n'importe. Moi, je mets des moulages, comme ça. Avant de mettre ma pâte feuilletée. Voilà. C'est bien une pâte brisée aussi. Moi, je préfère utiliser pâte feuilletée, mais pâte brisée, elle est bien aussi. Voilà. Maintenant, je mets mes mélanges. Je mets le mélange en terre. Je
maintenant, je mets mon fromage râpé. Si ce n'est pas obligation, c'est quelque chose de plus. Il me reste des pâtes feuilletées d'hier. Je n'ai pas voulu les jeter. Je vais décorer ma tarte aujourd'hui. Rien jeter lorsqu'il reste de la nourriture, il ne faut pas jeter. Voilà, je le mets au four. Pendant un quart d'heure. Hotta fil four, 15 minutes. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre tarte salée, elle est prête, elle est magnifique. C'est un régal, les enfants, ils aiment beaucoup les quiches et les tartes comme ça avec les légumes. C'est très très bien, avec une salade, c'est un bon repas. N'hésitez pas de vous abonner à Cuisine Mêlée et merci beaucoup et à bientôt.